Donc ce matin, nous étions réunis au centre de secours de Pont-du-Château, qui est le centre support de l'unité de décontamination, qui est une dotation de l'État qui est affectée dans le centre de secours de Pont-du-Château sur le département du Puy-de-Dôme. Pour répondre aux objectifs de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis, nous avons travaillé sur cette unité de décontamination qui a pour objectif de prendre en charge les personnes contaminées lors d'accidents industriels ou lors de menaces à caractère NRBC, nucléaire, radiologique, biologique ou chimique. L'objectif était de monter la berce avec le personnel de Pont-du-Château et les référents de cette spécialité. L'unité mobile de décontamination est un outil qui permet la prise en charge de victimes valides et invalides sur lesquelles nous pourrons traiter la décontamination de 100 personnes valides à l'heure et 10 personnes invalides à l'heure. Nous avons travaillé ce montage ensemble et nous avons travaillé sur deux types d'ateliers pédagogiques personnalisés avec une partie habillage en combinaison légère de décontamination et la réalisation d'une prise en charge pour le déshabillage d'une victime contaminée.